Les championnats de France de natation interclub dans la catégorie maître se déroulent ce week-end à Chalon-sur-Saône. Une compétition par équipe qui mélange les âges et les genres. De Bourguignon participe à cet événement. Ambiance avec Christophe Taris et Romy Wachuk. Face aux ogres parisiens et autres gros bras du sud et leurs milliers de nageurs, Joanie Pellu figure de petit poussé avec seulement 300 licenciés. Mais pour la troisième année consécutive, le club a réussi à se qualifier pour la grande finale nationale des Masters, une compétition qui reflète la vitalité et le réservoir d'un club. Alors forcément, en finale au bord de la piscine, les ambitions sont cette fois limitées. Ce week-end, pas finir dernier, ça c'est déjà bien, et puis se faire plaisir avant tout. On n'a aucune rivalité avec les clubs parisiens, ils sont bien trop gros. Nous, notre but, c'est une cohésion. Cohésion de groupe, faire d'un club un club familial, sympa, bon enfant. Car les Masters, c'est une compétition où l'on nage plus pour l'équipe que pour soi-même. Chaque formation aligne 10 nageurs et chacun doit faire une course et un relais, puis les temps sont transformés en points. Et peu importe l'âge, les plus jeunes ne sont pas toujours les premiers. Ça peut aller jusqu'à 90 ans et il y a un coefficient de rajeunissement qui permet à des nageurs plus âgés de marquer plus de points que les nageurs les plus jeunes. C'est ça l'intérêt de cette compétition, c'est que c'est pas en amenant 10 nageurs de 25 ans que l'on gagne, parce que les plus vieux peuvent marquer plus de points qu'eux. Mais face à quelques anciens champions nationaux et même internationaux, la concurrence est évidemment rude. L'US joignit encore une matinée de compétition demain pour remplir son objectif et éviter le bouillon.